Alors, d'abord, qui gouverne et qui ne commet pas d'erreur, je ne connais pas. Après, promis, désolé, on met un peu de lumière par là. Non, je suis trop rouge, hein, ça va pas du tout, hein, c'est le bordel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, c'est le merdi aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, je sais que ça fait un peu comique de répétition, on va dire. Rien ne fonctionne comme on veut. On va d'abord changer le nom. C'est plus un biais d'excuses comme hier, mais c'est bien la revue de presse. Alors, merci pour Capillotracté qui vient de s'abonner pour le 9e mois consécutif. C'est super, c'est cool. On va modifier les infos du stream. C'est pas le biais d'excuses, c'est... Alors, ça va être moche. Hein. Alors, on va virer la lumière, là. Hop, c'est la revue de presse du 15, déjà. On est déjà à la moitié du mois, du 15 mars. Mars, c'est le mois de la guerre 2022. Ça serait bien que ça se finisse. Après, on est discussion, on est IRL, on est en français. Actualité France politique. Voilà, les tags sont mis. Information du stream à jour avec succès. J'ai toujours cette vilaine toux et j'en suis vraiment désolé. Alors, on revient en slide. Quel merdier, les amis. Rien de marché ce matin, rien. J'arrivais pas à me connecter sur Twitch. OBS déconne complètement, pourtant pas de mise à jour, pas de machin, un truc ultra maîtrisé, mais que dalle. Voilà, j'ai l'impression que mon son est pas trop mauvais. Alors je n'ai pas vos commentaires dans le truc, voilà, je l'ai là. Bonjour, ce week-end pas d'écran total, non. Salut, ça va Grenoble? Il fait un temps dégueulasse, je sais pas si vous le voyez, il fait gris. Là, c'est là, vous voyez là, faut pas que je me trompe, c'est là. Voilà. Hop, les mains qui partent dans tous les sens. Bonjour Jean de Toulouse, bonjour les modernos, j'adore les modernos, c'est le mot qui nous va bien. Voilà, ça va se lever, il pleut à Paname, t'as Luclide, j'espère que tu vas bien, merci d'être là, à la modération, merci à tous. Alexis n'est pas là pour la semaine, il va être là demain et vendredi, et moi je serai là encore là jeudi. Ça peut changer, hein. Vous savez que ça peut changer. Hier c'était prévu pour que je fasse la revue de presse avec vous, et puis j'ai eu un contre-temps, donc du coup on a pas mal de petites choses à regarder ensemble. Je vais allumer ma petite tablette magique avec l'application NDI qui me permet de streamer, voilà. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Je lance le streaming, je lance la diffusion sur ce matériel-là. On ira faire un tour sur le compte Instagram de la photographe de Macron qui est extraordinaire, c'est Soizic de la Moissonnière qui est sa photographe officielle. Ça va vous plaire, je vous connais, les modernos, ça va vous plaire. On va parler du Mali, on va parler de l'interview de dimanche d'Edouard Philippe qui est fantastique, qui est exceptionnel. On va parler du masque, bien évidemment. Hier c'était le faux débat, en fait. Vous savez, on a un président qui adore débattre, mais seul. C'est son truc à lui. Il ne fait pas qu'on le fasse chier. Il n'a pas envie d'avoir des mecs qui vont lui dire « Ouais, machin, tout ça, t'as dit des conneries, c'est pas vrai, ton bilan est nul. » Non, lui, il est dans son coin, il fait son truc. Il est président, de toute façon. Il n'a rien à foutre de ce qu'on lui dit. Et c'était nul. Voilà, le moment était un peu nul. Il y a le Figaro. Enfin, une petite lecture du Figaro. Pourquoi je n'ai pas tous mes trucs sur mon ordinateur? Voilà, parce que si j'ai tout sur le même écran, donc on s'en sortira pas si j'ai tout sur le même écran. Ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible du tout. Alors, je vois vos messages en décalé. Ben, pardon, de démocratie. Non, mais c'est une blague. Il faut déconner. C'était vraiment, vraiment, vraiment une blague. Voilà, tous ici. Il y a plein d'abonnements qui sont pris. C'est incroyable. C'est super. C'est top. Bon, on va commencer. Je vous remercierai après, parce qu'après, on me dit, je lis les messages. Ouais, t'es tout le temps en train de remercier les gens, c'est lourd. Mais merci du fond du cœur, c'est pas. C'est pour de vrai. C'est des remerciements pour de vrai. Et alors, on va commencer avec ce que j'avais préparé hier, parce que c'est des restes, hein, c'est des restes de l'actualité de la semaine dernière, mais qui sont amusants. On va passer sur cette fenêtre-là. Vous voyez. Non, ça marche pas. Si, ça y est, ça marche. Formidable. Et vous voyez ici, donc, challenge, avec, vous savez, moi, c'est les petits confidentiels de challenge qui m'amusent beaucoup, avec celui-là. Attention, pour sa nouvelle affiche de campagne, Yannick Jadot a fait appel au photographe Jonathan Magnon, auteur des pochettes de Jay-Z, Dr. Dre ou de Kendrick Lamar. Alors, c'est pas le même délire du tout, Yannick et Dr. Dre ou Jay-Z.
Jérôme, je crois qu'il s'appelle Jay-Z, c'est son nom, Jérôme, Jay, ou Kendrick Lamar. Voilà, c'est, on parlait en photographie tout à l'heure avec la photographe de Macron qui est. Alors, on les connaît ces photos, mais il faut voir, regarder un peu le délire dans lequel on vit. La Fédération des chasseurs auditionne les candidats à la présidentielle à l'occasion de son congrès le 22 mars. Donc, si vous avez une fédération de quoi que ce soit, vous pouvez vous marrer, vous pouvez convier les candidats. Par contre, il faut avoir une force de nuisance. Hein, si vous êtes, c'est le lobby des chasseurs. Donc c'est complètement dingue que ça fonctionne, ça encore, à notre époque. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? On a BHL, fait un carton plein pour soutenir l'Ukraine. François Hollande, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Jean-Michel Blanquer, Bernard Cazeneuve, Richard Ferrand, Christophe Castaner, Frédéric Mitterrand et Frédéric Becbédé, les deux crados, étaient là. Gros succès pour Bernard-Henri Lévy qui organisait en quelques heures une soirée parisienne de soutien à l'Ukraine au Théâtre Antoine, gracieusement prêté par son propriétaire Jean-Marc Dumonté, à condition de libérer les lieux avant 20h parce qu'il y avait Valérie Lemercier. Donc tous les crados va-t-en-guerre étaient là-bas. J'ai une inimitié pour Frédéric Becbédé que vous connaissez sûrement, je supporte pas ce mec. Ils sont tous allés faire la guerre. Tout va être piloté. Le command center sera à Saint-Germain. Je sais que les Ukrainiens, c'est mieux pour eux. Ils sont rassurés. Voilà les petites choses qu'il y avait. Il n'y avait pas grand-chose dans les confidentiels de la semaine dernière. Il n'y avait rien de rigolo aussi. Il y avait le patrimoine immobilier Valérie Pécresse qui a 6 millions d'euros qu'elle aurait un petit peu sous-estimé. Voilà, des petites choses comme ça, mais rien de très intéressant finalement. Le gros truc d'hier, qui est complètement dingue, voilà, c'est lui, c'est, vous l'adorez, c'est Édouard Philippe, c'est Doudou, ça y est, et Doudou avec un portrait par Catherine Ney. Alors Catherine Ney, c'est une très vieille journaliste, qui est là depuis toujours, qui est très très à droite, une droite classique, très, voilà, grande dame. Une très grande dame, vieux pour moi, c'est pas péjorant, c'est pas péjoratif pour moi, les vieux. Je préfère les anciens, je supporte pas. Ah, ça, c'est les anciens. Non, je préfère les vieux. Voilà, c'est une vieille journaliste exceptionnelle. Et alors là, je devrais tout vous lire normalement. Alors, vous savez que je lis très mal, que je parle trop vite, que c'est très désagréable pour vous. Mais il y a quand même des passages qui sont croquignolesques. Et ça commence comme ça. Chez Édouard Philippe, tout est haut. Allez, c'est parti. Sa taille, sa cote de popularité qui culmine invariablement depuis 2 ans. La salle à manger de la mairie du Havre au 18e étage. Voilà. Donc, tout est grand chez Édouard Balladur. Elle surplombe le monumental édifice érigé par l'architecte Auguste Perret. C'est là qu'il a reconstruit cette ville, martyr, que les bombardements allemands puis alliés ont ravagé, détruisant 80% et faisant 5000 morts. Pendant 15 ans, mon père a vécu dans un chantier, dit-il. Donc, en fait, son père était ouvrier à Édouard Philippe. Et c'est pas lui qui a reconstruit la ville, hein. Ce sont des architectes et notamment un ancien maire du Havre. Voilà. Donc, Édouard Philippe s'est donc installé au 2e étage de la mairie. Dès l'entrée, on comprend que l'occupant est un homme d'ordre, un esthète. Au mur, des cimaises de chêne miel, au sol, une moquette grise. Sur son bureau, rien ne traîne. La table basse est celle sur laquelle a travaillé donc Antoine Perret, qui est l'ancien maire du Havre. Sur une commode, des médailles bien rangées. Seule trace de vie privée, une petite photo, une tête de bébé, sa fille Sarah, qui a aujourd'hui 11 ans. Une sculpture de bronze représentant un boxeur russe. Il aime bien la boxe, il aime bien la baston, Édouard. Un cadeau du Premier ministre Dimitri Medvedev, qui avait invité la ville du Havre et jumelé à Saint-Pétersbourg. Il y a peut-être des micros. S'amuse le maire, voilà. Pourquoi le vainqueur, donc c'est Emmanuel Macron, hein, de la présidentielle, a-t-il choisi Édouard Philippe, qu'il connaît si peu? Parce que lui, venant de la gauche, oui, bien entendu, Macron, c'était l'époque, hein, c'était l'entourloupe, hein, de faire croire que Macron était un mec de gauche, il pensait que cette nomination d'un républicain fracturerait la droite, et puis c'était deux hommes de la même génération. Eux, ce qu'ils aiment, c'est la fracture ouverte. C'est un petit peu les Steven Seagal de la politique, c'est l'aïkido, il faut être dans la casse, il faut être dans la brisure. Voilà. Donc ça, c'est Richard Ferrand, qui est un expert en fracture ouverte, qui est aussi président de l'Assemblée nationale et expert en placement immobilier via des SCI, voilà. Donc voilà, donc il nous explique qu'il est super, hein. Il explique qu'il est top. Il dit, regardez, il a fini sa barre blanche, il a fini sa mutation, ça fait partie des éléments de langage. Alors, on continue ici. Je l'ai lu hier, alors je vais récupérer mes notes au stabilo. Hein. Ça, c'est fantastique. Tandis que les Français restaient cloîtrés chez eux, il se faisait le tuteur de la nation, sa cote de popularité s'est envolée. Je crois que j'ai créé une relation intime avec eux. Vous savez, c'est comme.
Un serial killer. Tu vois, c'est marrant, les serial killers, c'est souvent deux prénoms, les noms. Thierry Paulin, Guy Georges, Émile Louis, Édouard Philippe. Il a créé une relation intime avec eux, en fait. Quand vous êtes maltraité, quand vous êtes un preneur d'otage, et que vous avez des mecs, il se crée une drôle de relation entre l'otage et le preneur d'otage, entre le bourreau et la victime, c'est le syndrome de Stockholm. Et il a créé effectivement une drôle de relation intime avec eux en 2020. C'est vrai que c'est lui qui a géré, avant Jean Castex, c'est lui qui a géré le début de la crise. Alors il venait nous voir avec Olivier Véran, ils avaient leur PowerPoint tout foireux, il y avait des fautes de partout. Et voilà, donc c'est aussi le LBD, c'est les Gilets jaunes, c'est le premier jour des Gilets jaunes. Moi, toute ma vie, je me souviendrai de voir, c'était Castaner et Édouard Philippe qui débarquent dans une caserne de flics. Les flics n'étaient pas là, ils les sortaient. Hein, c'était, et ils étaient blafards, les mecs. Et là, les flics ont compris qu'ils les tenaient dans leurs mains. Voilà. Donc, il a créé une relation intime avec les Français. Ça, il ne faut pas l'oublier. En 2020, il a décidé de se représenter à la mairie du Havre. Réélu triomphalement, il serait bien resté à Matignon. Il aimait le job. Mais le président avait choisi de se séparer de lui. Je lui ai remis ma démission le jeudi soir. Il souhaitait aller vite. Le vendredi à 17h, c'était fait. Je n'ai pas eu le temps de dire au revoir au ministre et à l'équipe avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans. Là, il fallait qu'il fasse la bise à Sibet, il fallait qu'il fasse la bise à Castaner, il fallait qu'il fasse la bise avec tous les génies en fait, qu'il y avait avec... non, Olivier Véran était là, il était déjà arrivé, Buzyn s'était barré pour représenter le guignol là, qui montrait son chibre. C'est pas parce qu'il monte son chibre que c'est un guignol, hein. c'était le guignol, virgule, qui monte son chibre. Donc il est là. Donc le 9 octobre au Havre, il a lancé Horizon devant un parterre de 800 élus. Certains travaillaient déjà pour lui. Certains travaillent déjà pour lui pendant 5 ans, hein, parce que ça y est, c'est parti. Toute l'énergie d'avant-vente est mise en place. On interroge quelle qualité doit avoir un homme politique. D'abord, sentir ce qu'il faut faire. Ensuite, être capable de l'expliquer au pays et puis faire, résume-t-il au rendement. Jamais le président ne voudra qu'Edouard pèse trop lourd dans la majorité future, prévient Gilles Legendre. Alors Gilles Legendre, j'ai une petite vidéo, je vous ai spoilé au début, juste au moment des Gilets jaunes, qui est lunaire, j'aime bien la passer, celle-là elle est cool. Gilou, c'est un poème ce type, voilà, ex-président du groupe LREM, l'Assemblée nationale. Voilà, en janvier, Edouard Philippe comptait bien accueillir à Horizon le groupe Agir Ensemble, 21 députés, une auberge espagnole faite d'ex-PS, de LR et d'UDI en rupture de banc. L'affaire semblait pliée vu ses liens solides avec Franck Rister qui est un vendeur de bagnoles Citroën à Coulommiers. C'est un, à la base, c'est ça, hein, il a fini ministre de la Culture. Je ne sais plus quoi il s'occupe, Rister, aujourd'hui. Il a été ministre de la Culture. C'était le premier ministre de la Culture avant Roselyne Bachelot. Voilà, et ce type est un nul complet. Voilà, donc c'était prêt, mais l'opération ne s'est pas faite. Ses amis ont vu un veto présidentiel. J'aime pas comment merde a commenté le maire du Havre. Edouard est trop sensible, soupire Richard Ferrand. Voilà, Richard Ferrand, c'est Richard Ferrand. Les deux hommes s'entendent et se respectent. Edouard est sérieux, compétent, sympathique, fiable. Peut-être a-t-il plus de charisme que de leadership. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Richard est tourmenté, touchant, attachant, capable de résumer un caractère ou une situation en une expression hilarante et percutante. Voilà, Edouard le sait. C'est Richard qui distribuera les investitures et Horizon. Et Horizon sera peut-être pas le mieux doté. Voilà. Donc ils détestent, hein, déjà une haine terrible entre Richard Ferrand, Gilles Legendre. Gilles Legendre, c'était lui qui avait fait une proposition de remaniement ministériel en disant ils sont tous nuls à chier, c'est moi le meilleur, voilà l'équipe que je dois faire. Et ça avait fuité, c'était Marianne qui avait fuité le truc, et c'était grotesque. C'était totalement grotesque. Donc voilà ce petit moment rigolo et sympathique. Voilà, un clone de Juppé, ouais, c'est ça, c'est ce que je suis surpassé sur un autre écran là, où je me vois en décalé et où je peux lire enfin vos commentaires. C'est ça, c'est un peu un clone de Juppé. Comment peut-on lire et croire un truc pareil? C'est Catherine Ney, c'est une vieille dame, je pense qu'elle est complètement déconnectée de la réalité, elle a aucune idée, c'est une très grande bourgeoise, c'est une femme de droite très classique, je pense qu'elle est complètement... ailleurs, voilà, elle est complètement dingue. Votre annonce est sur le point de commencer, je la suspends, je coupe les pubs pendant 5 minutes, je découvre des écrans qu'on n'a pas, je viens de vous éviter une pub, là. Alors c'est, tant pis pour nos finances, tant mieux pour vous, abonnez-vous. C'est une influenceuse à l'ancienne, c'est exactement ça, c'est une Nabila des années 60, Catherine Ney. Voilà. Et effectivement, Gilles Legendre, c'est le mec qui a dit « on a été trop intelligent », mais je vous ai préparé la vidéo, parce qu'il faut la réécouter, cette vidéo, parce que tout est bidon, tout est complètement faux. On parle de Gilles Legendre, député de La République En Marche,
donc il y a un truc qui est fantastique. L'ex-président du groupe parle déjà, Gilles Legendre. Il a cette petite morgue, ce petit truc. Non, il fait toujours la gueule. Il a toujours un sourire inversé, mais tu vois qu'il se fout de ta gueule, en fait, Gilou. Il a une bonne tête de Gilou, Gilou, quand même. C'est... J'adore ce type. Il faudrait qu'on l'appelle, tiens. Il faudrait qu'on essaye de l'avoir au téléphone, qu'on appelle son... Il est député, ce mec. Quelle heure il est, là? Quelle heure il est? Ah, il... Ça bosse pas, j'imagine. Faudrait qu'on l'appelle, Gilles Legendre, pour lui dire qu'on le trouve super. Donc, l'ex-président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale réclame la proportionnelle aux législatives, l'évolution des modalités de vote et de la modernisation du travail parlementaire. Voilà, comme plusieurs ténors de la majorité qui plaident pour qu'Emmanuel Macron propose de nombreuses innovations démocratiques. L'innovation démocratique, ça c'est... Bon, déjà, venir au débat et présenter son bilan et discuter avec les mecs, ça serait peut-être une innovation démocratique. Mais non, ça il fait pas. Le député Gilles Legendre répond au président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Celui-ci a jugé qu'une réforme institutionnelle n'était pas prioritaire. Voilà. Donc, non, on va pas trop faire d'innovation démocratique. Donc, c'est pas très intéressant. Hein. C'est... Apprenons de nos erreurs. Donc, le mec a quand même dit qu'il a fait des erreurs, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans, hein, quand il était juste après les Gilets jaunes. Pour Gilles Legendre, il n'y avait pas de problème circulé, il n'y a rien à voir. On va passer au Figaro d'hier. Donc, ça, c'est le Figaro d'hier avec. On a fait notre première journée sans masque dans les, au restaurant, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller au restaurant, dans les bars, dans les magasins aussi, c'est plus obligatoire. Ça reste un outil assez pratique puisqu'on a comme un léger rebond qui arrive avec un variant, sous-variant, enfin c'est compliqué. Est-ce que l'immunité de groupe qu'on a acquis avec l'Omicron va fonctionner? Est-ce que les vaccins fonctionnent? Pas dit. Hier, il y avait Lacombe qui expliquait qu'aujourd'hui dans les hôpitaux, il n'y avait que des gens immunodéprimés mais déjà vaccinés. Donc, c'est étonnant que cette dame nous annonce ça. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, retour à la normale dans l'espace public. Voilà, les écoles aussi. J'ai mon beau-fils qui est lycéen et qui m'a dit on a enlevé nos masques. Alors certains le gardaient, certains profs le gardaient aussi, pas tous. Enfin voilà. Vigilance est maintenue dans l'établissement de santé et de transport en commun. Il faut être vigilant les mecs. Il faut regarder ce qui se passe. Le pass vaccinal disparaît, mais le pass sanitaire aussi. Non, n'importe quoi. Le pass vaccinal disparaît, mais le pass sanitaire... aussi valable avec un test négatif ou un certificat de guérison, est maintenu dans les établissements de santé au sens large. Voilà. Donc, pour se faire soigner, il faut être soit vacciné, soit être guéri du Covid. Sinon, c'est compliqué. Il reste utile pour ceux qui partent à l'étranger. Voilà. Donc, c'est pas la fête du slip. Ça coordonne bien avec l'entrée. Oui, c'était hier, Macron parlait, le 14, on a fait le masque aujourd'hui. C'est quand même fantastique. C'est bien réglé tout ça. Voilà. C'est possible hein, que s'il n'y a pas d'immunité de groupe, si c'est la merde qu'on resserre. Et voilà. Donc gardez vos applications tous anti-Covid allumées, les amis. Hein, vous avez compris. Et puis, quatrième dose recommandée pour les plus de 80 ans. Voilà. Donc c'est. Je suis pas anti-vaccin, hein, attention. Mais est-ce que c'est vraiment un vaccin? On en est à 4 doses, on a fait le boost il y a 4 mois, 5 mois, on refait un boost, un super boost. Voilà. C'est. Alors. Que ça marche, que ça marche pas. Apparemment non, hein, selon Mme Lacombe. C'était un tweet de Karine Lacombe. Voilà où on en est. Je sais pas comment c'est chez vous. Moi, ça n'a pas changé. Moi, j'ai pas trop de problème à mettre le masque. Justement, c'est la page d'après, c'est l'événement, la fin du masque, symbole de la libération après 2 ans de Covid. Alors, symbole de libération, il n'y avait pas les chelots chez nous qui ont occupé le terrain, qui habitaient dans nos appartements et qui nous ont occupés. C'est une petite libération quand même, le masque. Moi, ça n'a jamais été pour moi un problème de le mettre. Je trouve ça très disgracieux, les gens qui le mettaient là, ou à moitié avec le nez qui sort, c'était pas joli. Après, je m'en fous, hein, chacun fait un peu comme il veut. L'idée, c'est de ne pas le donner aux autres quand on l'a, c'est de faire un effort collectif. C'est pas mal, ça a vachement été respecté au début du Covid, pendant le premier confinement. Et puis voilà, alors moi, j'étais à Paris dans un taxi. Il y a 2 semaines, où le chauffeur de taxi dit « Moi, jamais ils me le feront enlever !» Alors le mec devait gueuler, j'imagine, 15 jours avant, comme quoi il en avait plein le cul, et puis il devait l'avoir, j'imagine, sous le nez ou ici. « Ouais, moi ça va, moi, ils font l'enlever. Jamais, moi, je vais le garder, moi. Je sens qu'il faut que je le garde, ces enculés, ils veulent nous le faire enlever. » Donc c'est marrant comme la réaction publique se fait. Alors c'est un chauffeur de taxi parmi d'autres, hein. je ne fais pas une généralité. Et là on a quand même un sociologue, un spécialiste des représentations du corps humain, qui s'appelle David Le Breton. Alors David Le Breton, il est quand même appelé par le Figaro, hein, pour donner son avis d'expert. Le visage est un tout. Super, David. S'il manque un fragment, l'expressivité vole en éclat. Les yeux ne sont pas suffisants pour traduire nos états d'âme. Derrière un masque, j'ai perdu le fil. Derrière un masque,
Nous ne pouvons savoir comment les autres réagissent à vos propos, comprendre s'ils sont en train de sourire, de grimacer ou de bâiller. Moi, des fois, ça m'arrangeait. Hein. Le masque en réunion, c'est pas mal. Ça t'évite de peut-être petite sieste un peu tranquille en gardant les yeux ouverts. Voilà. Donc ça, c'est le sociologue de du Figaro. Pas grand-chose à dire. Les gens l'ont accepté plus facilement qu'ils l'auraient pensé, sans grande résistance. C'est un sociologue. Voilà. Les sociologues s'étonnaient que les Français l'acceptent parce que c'était efficace, parce que c'était du bon sens. Ça empêche de le récupérer, puis ça empêche de le donner, le masque aussi. Voilà. Moi, je suis pas un anti-masque du tout. Je trouve ça moins intrusif qu'un vaccin avec des technologies très récentes. Ça fait moins peur. Sans aucune transition, on a Marion Maréchal Le Pen. Faut jamais oublier que c'est une Le Pen, cette dame. Alors, c'est marrant, quand il y a des photos... Là, elle est un peu dure, un peu cassante. Il y a une photo d'elle sur Valeurs Actuelles. Elle est jolie, une jolie petite blonde, toute fraîche, toute gentille. Elle est moins gentille que ça, puisqu'elle veut faire un tri des réfugiés en provenance d'Ukraine. Parce qu'elle se dit, bon, on veut bien en prendre, parce que quand même, ils ont la même bagnole que nous, c'est con. Mais attention, hein, voilà, l'ouverture de ce couloir migratoire incite des personnes qui souhaitent rentrer dans l'espace Schengen et qui sont originaires d'Afrique. Donc en fait, un mec qui va d'Afrique, il doit d'abord passer par la Russie, l'Ukraine, parce qu'il y a vraiment, et il passe. Il a fait du bateau avant le type qui arrive. J'ai une connaissance, un ami d'un ami proche qui est maghrébin et qui fait ses études en Ukraine et qui n'a pas pu passer. Voilà. Les Polonais ont dit « Ah non, toi tu reste là-bas. » Voilà, démerde-toi. Donc ça arrive, hein, c'est pas des blagues. Donc elle veut, elle a peur qu'on soit infiltré par des Arabes. Qui voudrait faire des attentats. Voilà, elle dit, pour elle, l'ouverture de ce couloir migratoire incite des personnes qui souhaiteraient rentrer dans l'espace Schengen et qui sont originaires d'Afrique à profiter de l'occasion pour s'insérer dans ce dispositif. Voilà. Alors déjà, les Polonais, ils filtrent déjà pas mal. Hein. C'est pas mal filtré par les Polonais. Et voilà, c'est Marion Maréchal Le Pen. On va pas être étonné de tout ça. Les volontaires syriens ne se précipitent pas aux côtés des Russes parce qu'il y avait un accord entre la Syrie et la Russie pour pouvoir en cas de guerre venir se céder, ce qui est arrivé dans un sens. Apparemment c'est pas le cas et c'est très symbolique comme participation. Apparemment ça va pas être le truc du tout. Alors selon les états-majors français, 15 000 soldats ont été déployés par l'armée russe en Ukraine depuis le début du conflit à Moscou, donc c'est un chiffre apparemment qui ferait l'unanimité auprès des officines de renseignement et des renseignements militaires, et Poutine n'aurait pas tant d'hommes en réserve que ça, voilà. Donc c'est un côté rassurant, on n'a pas 150 000 à mettre ailleurs, mais voilà, et il ne va pas y avoir grand renfort du côté de la Syrie. Il y en a eu un petit peu du côté de la Tchétchénie, avec des gens extrêmement aguerris, et c'est l'autre pays de la barbe, comme disait Alexis, des mecs un peu inquiétants, des gens agressifs, on va dire, voilà, belliqueux. Et donc c'est un papier de Georges Malbruno, voilà comment ça se passe, parce que maintenant, en plus, il y a des Turcs qui, eux, vont côté ukrainien pour renforcer l'armée et les volontaires en Ukraine. Dans les pages, donc ça c'est le journal d'hier, dans les pages économiques du Figaro, ce que le Covid a changé dans l'organisation des entreprises. Alors déjà, c'est ce genre d'image que je trouve fantastique. Pour tous ceux qui travaillent, alors sûrement dans un bureau, parce que le mec il a une sorte de petit costume... Et puis un petit chapeau, voilà. Qui voilà. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas trop. Et puis voilà, on a Myriam El Khomri, ça c'était la ministre de François Hollande, ex-ministre, et elle était, alors je lis sur le côté pour lire, elle était, bonjour, elle est directrice de conseil, elle est directrice du conseil du groupe Diociassi. Je ne sais pas ce que fait ce conseil, je vais regarder ce que c'est le conseil Diociassi. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Hop, Diociassi. Si, ça s'écrit S. J'aurais dû le faire avant, normalement, je le fais avant. Dior. Non, il y a un D-I-O-T, pardon. Comme la saucisse. Dio. Sassi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il ne sait même pas sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Dio Sassi. Groupe de conseil et de courtage d'assurance, leader en France. Donc, c'est un courtier en assurance. Ok. Et elle est directrice du conseil du groupe.
Je ne sais pas ce qu'elle fout. Je ne sais pas si elle travaille vraiment, en fait. Il faudrait l'appeler, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle fait? On pourrait l'appeler, cette entreprise, pour leur demander ce qu'ils font. Et elle nous dit « La crise du Covid a bouleversé le management et créé de plus fortes attentes des salariés autour de l'autonomie et de la reconnaissance. Désormais, le mode d'organisation hiérarchisé et vertical renvoie le sentiment d'une trop forte pression. On observe parallèlement une forte montée de l'absentéisme, qui reste encore trop tabou dans les entreprises. » C'est pas trop tabou, l'absentéisme dans les entreprises. Hein. Le mec, il n'est pas là, il n'est pas payé. Hein. Il n'y a que elle qui pense à... Je pense qu'elle ne travaille pas, l'ex-ministre Myriam El Khomri. Je sais pas, c'est peut-être pas bien de dire ça, peut-être qu'elle est super efficace, qu'elle donne des super conseils au groupe, mais je sais pas. En fait, on ne peut pas savoir. Faudrait l'appeler, savoir exactement ce que c'est son boulot. Donc aujourd'hui, la norme, selon les DRH et selon le Figaro, ça serait de viser deux jours de télétravail dans les entreprises, parce que ça fonctionne pas mal, ça permet aux gens de s'organiser, et puis en région parisienne, quand vous habitez très très loin de votre bureau, c'est pas mal de pouvoir faire un break une ou deux journées dans la semaine. Donc on a plein d'avis d'experts. Alors aux États-Unis, tout le monde doit rentrer, sauf chez Twitter, où là c'est fait comme vous voulez. Il en dit, là où vous êtes le plus efficace, vous venez, vous voulez rester chez vous, vous voulez, voilà. Alors prendre Apple, Facebook, Google, allez, oust. Au bureau, on n'a pas fait des bureaux qui coûtent des fortunes. Je crois que les bureaux d'Apple, c'est 5 milliards de travaux. Il va quand même falloir un petit peu les occuper parce qu'ils sont tout neufs. Sans aucune transition, l'EPR, ça y est, il y a enfin l'EPR finlandais qui est mis en place. Donc c'est un EPR français, Cocorico. Alors, il y a eu un petit dépassement, voilà. Mieux vaut tard que jamais. Samedi, le réacteur nucléaire finlandais EPR Olkiluoto a été officiellement mis en service 12 ans après la date prévue initialement. Il y a eu un petit retard, ça arrive. Donc il s'appelle OL3, c'est son nom de code et son petit surnom. Et voilà, donc il a été nommé, tac, 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 tac. Lorsqu'il atteindra sa vitesse de croisière, en principe au mois de juillet, l'EPR, donc Olkiluoto, situé à 270 km de la capitale Helsinki, deviendra le plus puissant réacteur nucléaire d'Europe. Alors il y a eu un petit dépassement de temps et puis un dépassement de budget, puisqu'il devait normalement coûter 3,37 milliards et finalement il a coûté 11 milliards d'euros. Voilà. Donc c'est un chantier maudit pour Areva. C'est le projet qui aura la peau en fait de l'entreprise Areva aujourd'hui, qui a été transformée entre EDF et Framatome. Voilà, donc c'est la même technologie qu'on a, nous, à Flamanville, si je ne dis pas de bêtises, c'est le super générateur, l'EPR, qui ne tourne pas encore. Il y a eu énormément de problèmes avec d'abord la cuve, en dessous le béton qui n'était pas terrible de bouillie, ensuite la cuve, c'est voilà, un truc qu'on ne peut pas changer, hein, parce que c'est au bout de, je crois, 2-3 000 ans qu'on peut commencer à bricoler dedans. C'est tout neuf, c'est impressionnant, malgré tout, c'est impressionnant. Il y a des vrais enjeux au niveau de la fabrication d'énergie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant le nucléaire, que la façon dont c'est géré, en fait, le nucléaire. La façon dont c'est complètement... dont les responsabilités sont complètement diluées dans les entreprises de services qui créent ça, dans cette âpreté au gain sans limite. Voilà, on fait de la merde. L'important, c'est que l'actionnaire soit content à court terme. Par contre, quand on fabrique un outil comme ça et que ça déconne... je ne sais pas si vous avez vu la série de Tchernobyl qui expliquait très bien comment ça s'est passé. En fait, c'est une accumulation de petites erreurs, de mecs qui ne veulent pas assumer la responsabilité, l'État soviétique qui refuse d'admettre qu'il y a une faille dans le cœur du réacteur, donc elle n'est pas documentée, elle n'est pas publiée. Ensuite, sur Tchernobyl, ça a été quoi? Ensuite, ça a été le réacteur, les tests n'avaient pas été faits, étaient mis en circulation avant que les tests soient faits, et c'est le directeur qui, pendant les deux ou trois premières années, faisait énormément de tests, et puis un soir, ils ont fait des tests qui n'auraient pas dû être faits parce qu'ils étaient pas au courant de la faille, et puis ça claquait. Alors la France, c'est pas il y a quand même, moi je trouve, voilà, si c'est vrai, je vais le dire, je trouve qu'il y a une déliquescence complète de tout. Le seul but, c'est de faire du pognon. Les cabinets conseils, on n'a rien à foutre. On démantèle l'État, on enlève les fonctionnaires, on prend des cabinets conseils qui disent des milliards, 2, 3 milliards, 4 milliards, 3 milliards, je crois. Je ne sais plus les chiffres des cabinets conseils. Oui, c'est ça, c'est entre 1,5 et 3 milliards, je crois. Je crois que c'est les chiffres, il faut que vous me fact-checkez. C'était le bouquin Les Infiltrés. Voilà. Et puis le jour où il y a un problème, c'est le logiciel qui embauche des jeunes qui ne sont pas qualifiés, c'est Boeing qui a fait une dalle pourrie. Où est la responsabilité? Comment est-ce qu'on fait? Et après, on a le problème aussi de réchauffement climatique et le nucléaire, ça fait pas trop de gaz à CO2, quoi. Donc c'est pas simple. C'est peut-être que le début de quelque chose, mais c'est pas. C'est pas.
c'est pas rassurant non plus. Voilà. Donc, il est quand même en circulation et il fait 1650 MW. La capacité de production sera 15% de l'électricité de Finlande. Voilà. Donc, c'est un petit peu moins aussi, j'imagine, un petit peu moins dépendant des Russes aussi. Ça tombe bien en ces temps pour la Finlande. L'État instaure une subvention pour réduire le prix de carburant. Donc, la subvention, il y aura 15 centimes de réduction à partir du 1er avril. Ça, c'est le cadeau. Il y avait un dessin de Coco qui montrait d'abord, c'était le quoi qu'il en coûte. Donc là, c'est des millions, des milliards qui ont été dépensés pour les entreprises. Ensuite, il y a été un chèque de 100 balles pour se chauffer. Et puis maintenant, c'est 15 centimes de réduction au litre que l'État va proposer. Il ne reste plus grand-chose. Et les prix flambent, puisque ce petit tableau, on voit que le gazole est quand même à... Même le gazole est à 2,21€ le litre. C'est complètement fou. C'est explosif, hein. Les gilets jaunes, ça a claqué à ce moment-là. Hein. Vous coupez les transports en commun, il n'y a plus de train pour aller travailler. Voilà. Vous savez que c'est cette France qui ne veut pas travailler, soi-disant. Voilà, cette France qui n'a pas le choix. Donc maintenant, vous prenez votre voiture, et puis la voiture, c'est plus possible de prendre la voiture. Ce n'est pas intéressant de travailler. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, hein, c'est qu'on ne peut pas. Donc il reste le vélo, peut-être, ou la pied, ou dormir sur son bureau, je ne sais pas comment on peut faire. Et puis, toujours dans les pages Figaro, voilà, cette information pour moi à noter, tout va être très compliqué. Au cours des 10 derniers jours, les tarifs à court terme du fret aérien ont grimpé de 40%. Donc le fret aérien, c'est que 1% du fret total, puisque 98%, dans 95%, c'est fait par bateau. Et il y a 5% qui est fait par rail, en fait. Voilà, il y a la route de la soie qui passe encore par le Kazakhstan, par la Russie. Donc voilà, ces lignes vont être suspendues, donc quand on parle des trains, voilà, car il n'y a plus de clients, explique un expert, les entreprises ont peur que les frontières se ferment et qu'elles aient des difficultés pour récupérer leurs marchandises. Voilà. Donc même si moins de 5% du fret vient de Chine, passe par le chemin de fer. Voilà. Donc c'est le reste, 94%, qui vient par les bateaux. Alors ça s'explique par l'augmentation du... Comment on appelle ça, du coût du pétrole. Alors dans un sens, ça coûte tellement cher que finalement c'est pas grand chose, mais c'est dans le sens retour où il faut mettre la même dose de carburant dans le bateau, où là les prix explosent au niveau des containers. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? On va passer au Figaro d'aujourd'hui. Avec, voilà, on en parle, la conférence de presse-débat de la campagne de Macron. Alors, conférence de presse-débat, c'est ça, c'est le concept. C'est innovation démocratique, c'est la conférence de presse-débat. Donc, le mec du Figaro est marrant. Conformément à la volonté du chef de l'État, les 8 principaux candidats à la présidentielle se sont exprimés à tour de rôle lundi soir sur TF1 à propos de la guerre en Ukraine. Ça s'appelait La France en guerre, ou TF1 en guerre, ou je sais pas, la 7ème compagnie, j'ai oublié le nom. Et ses conséquences, voilà. En France, s'il refuse toute confrontation directe avec ses adversaires, Emmanuel Macron répondra aux questions de la presse jeudi, lors de la présentation de son projet. Il se rendra ensuite à Pau pour un nouvel échange avec les Français. Donc, les journalistes, on va voir qui? Nabila, il va y avoir qui comme journaliste? Gilles Boulot, l'excellent Gilles Boulot qui pose les... Il est un peu agressif, des fois, Gilles Boulot, c'est marrant. Et de temps en temps, il prend de la drogue. Voilà, donc non, il va quand même accepter quelques journalistes. Qu'il faudra quand même être bien sage avec lui, mais c'est con qu'il n'y ait pas Poutou contre lui. C'est dommage. Alors, où sont les petits candidats, comme on dit? C'est vrai que. Pourquoi il n'y a pas Poutou? Pourquoi il n'y a pas Dupont-Aignan, Debout la France, qui nous écoute, hein? On sait que Nicolas Dupont-Aignan nous écoute. Nicolas, je déteste le nom de ton parti politique crypto. Debout la France, t'as pas honte, hein? À quelle heure tu dors? On sait bien que Nicolas, que tu regardes la rue de presse en décalage. C'est-à-dire tranquillement en train de ranquer dans ton pieu et t'oses appeler ton parti politique Bravo la France. Debout la France. Bravo la France, c'est Alexis et moi, c'est plus inclusif. Bravo la France. Lui, c'est Debout la France. Mais t'as pas honte de dire ça, Debout la France, quand les mecs se lèvent à 4h du matin pour nettoyer tout le pays, espèce de crado. Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, il aurait dû être là. Voilà. Il aurait pu envoyer chez Macron, lui aussi, ou un truc comme ça. Donc c'est un peu grotesque. Biarritz, deux hommes en garde à vue après une incursion dans la villa d'un proche de Poutine. Voilà, deux hommes étaient en garde à vue à Biarritz. Ils sont rentrés dans une villa à Biarritz qui appartiendrait à une fille de Poutine, en fait. Voilà, dans lequel ils ont déployé un drapeau ukrainien, a indiqué le parquet de Bayonne. Une enquête a été ouverte pour violation de domicile. Moi, j'aurais changé les serrures, mis des portes blindées et je me serais installé avec des potes dans la villa de Poutine. Puisqu'il faut bien qu'elle serve, cette villa. Je sais pas comment on fait.
Voilà, c'est l'angoisse complète. Et puis, dans Libération, une toute petite actualité. Bon, alors, voilà, aujourd'hui, le grand sujet, c'est et la Chine dans cette crise, le trouble jeu de Pékin. J'ai lu trop vite, je ne peux pas vous en parler. Par contre, information importante et rapide, un sarcophage en plomb a été retrouvé sous la nef de Notre-Dame. Alors, est-ce que c'était un vampire? Est-ce que c'était l'Antéchrist? On ne sait pas. Apparemment, ça serait un dignitaire. Voilà, donc, ça serait un dignitaire, un haut dignitaire. Donc, les historiens et les archéologues vont se régaler. Et elle daterait probablement du XIVe siècle. Donc, c'est incroyable, quand même. Une petite découverte. Et puis, voilà. On va finir la revue de presse, un peu courte aujourd'hui. On est complètement déréglé cette semaine avec Alexis. Alexis, il est demain, après-demain, il a une représentation de son spectacle. Pour tous ceux qui sont, je crois que c'est du côté de l'Alsace, il faut lui envoyer un message pour voir s'il peut vous inviter. Il le fera avec plaisir. Il a des places. Je sais qu'il a déjà quelques invités, mais il sera ravi de vous inviter si vous êtes dans le coin. Donc, voyez ça sur ses réseaux. Et puis, je voulais qu'on parle de... qu'on rigole. Ça, pour moi, c'était le pire. Je me suis dit, après un truc comme ça, après un machin comme ça, on se dit, c'est pas possible. Ça pourra pas être pire. C'est une sorte de climax, de point de non-retour dans la mauvaise communication. Là, lui, c'est un amateur. Hein. Gary Gori, c'est son ministre de l'époque. C'est sa prise de guerre socialiste, Bernard Kouchner. Extraordinaire, Bernard Kouchner. Et lui, vous l'avez tous reconnu, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, je vais pas l'imiter. Je le fais beaucoup moins bien que notre ami Alexis. En tout cas, là, il revenait d'une petite course. Je sais plus où c'était. Ça, c'était peut-être, je sais pas, sur la Côte d'Azur. Je crois que c'était à l'université d'été de l'UMP de l'époque. Dominique de Villepin avait raconté cette histoire-là dans un article. Où il avait dit « Je vous trouve très beau, Nicolas, quand vous courez. » Ou c'était lui qui s'était foutu de sa gueule. En tout cas, voilà. Et donc, je me dis, c'est fantastique. On ne peut pas faire pire que ça. Parce que c'est... parce que non, c'est pas... On ne peut pas faire pire que ça. C'est pas possible. Et j'ai vu, je ne sais pas si vous avez vu, les photos de Soizig de La Rosière. Donc, on va essayer de faire un truc incroyable que je n'ai jamais fait. On va essayer de passer de mon téléphone à... attention, c'est une cascade jamais faite ici au monde moderne. On va essayer de passer de ma tablette à mon téléphone. Ça va être... c'est une cascade... Normalement, c'est le niveau 2 hein, de Twitch. C'est quand on est formé pour faire ça. Moi, je vais la faire de façon complètement... attention. Tac, et ça fonctionne. Incroyable. Et donc, on va essayer d'arriver... hop, là, ça marche. C'est fantastique. On va sur... Voilà. Et elle, c'est Soizig de La Rosière. C'est la photographe Nbened qui est avec Macron. Donc, c'est fantastique. Allez, que je veux dire, dimanche 13 mars 2022, fin de soirée, Salon Doré de l'Elysée. Emmanuel Macron lors d'appels internationaux. Voilà, donc, elle aime beaucoup les gros plans sur les papates du président. Elle adore des photos où Manu il est pas rasé. Voilà, avec des papiers confidentiels défense, des notes de partout. Voilà, incroyable quand même, cette dureté, cette tension incroyable chez ce jeune homme de 44 ans, 45 ans. Voilà, pensif. À l'écoute, voilà. Alors, il avait un sweatshirt. Vous voyez, c'est la Startup Nation. Vous voyez, ils sont tous bleus. Il paraît qu'il est tellement intelligent qu'ils sont tous complètement blasés par le mec. Quoi. C'est formidable. Et puis il y a celle-là, voilà, que je trouve exceptionnelle et qui moi me fait penser à Derek Zoolander. Je ne sais pas si vous connaissez Derek Zoolander. C'est un film hein, des années 90. Voilà, un navet interplanétaire, ça c'est le 2, je crois que c'est Derek Zoolander 2. Et c'est un mannequin homme, en fait, qui pose. Et tac, quand je vois ça, moi je pense à ça, tout de suite. Je trouve qu'il y a quelque chose. Tac, tac, c'est si on... Non, on va essayer de faire un truc. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Hop, hop, hop. On va revenir sur le compte de Soizig de La Rosière, qui est complètement dingue. Hein. C'est... Voilà, ça c'était les photos qu'on a vues, là il est en train d'expliquer des trucs. Toute cette communication fascisante. Voilà. C'était les photos hier d'Instagram, de la photographe du président de la République française. Donc voilà ce qu'il y a. Je voulais vous montrer ce truc-là. Alors ça, il y en a partout, hein, ça s'arrête jamais. Hein. Puis les commentaires sont, il faut voir les commentaires. Hein. Les mecs sont... Il y a une base hardcore du truc.
Des gens qui demandent des conseils en disant ouais, c'est super bon ce que tu fais, ce que vous faites, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel, alors j'ai un Sony machin, tout ça. Et puis après, on lui pose des questions de. Voilà, ça, il adore ça. Ça date de Salon Doré le 20 février, ça. Ça, c'est encore les photos. Bon, Manu, t'es pas rasé demain. Ouais, t'inquiète pas. Tu mets un sweatshirt. Ouais, t'inquiète pas. Voilà. Là, t'as un crâne. Là, t'as un... Là c'est magnifique ça. Là, il est en toute simplicité avec Brigitte Macron. Il est comme ça. Il se prend l'Elysée, il pense à sa gonzesse. Il va se balader. Et puis, non, pas bien. Pas bien l'appel. Et puis, là, regardez ce qu'il y a. Regardez-moi ça. Là, il y a des gens qui pourraient le croiser. Oh, président de la République. Incroyable. À Bruxelles, en Belgique. Macron rentre du dîner officiel du sommet à l'Union européenne. Je ne sais pas combien de cartes de CRS il y a ici et combien ils ont payé ces comédiens-là. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Toujours Madame Macron, qui est quand même ultra chic. Hein. C'est toujours. C'est notre maman à tous, un peu, on peut dire, Madame Macron. Voilà, il a son truc. Bon, enfin, voilà. Vous avez compris, ça m'énerve. J'espère que ça ne vous énerve pas trop. Vous non plus, une petite photo. Hop. Aussi, on fait des photos. Tiens, je vais faire une photo et on va la mettre sur les réseaux sociaux. Tac. Ah bah non, ça marche pas, c'est nul. Si je prends la photo, où est-ce que je prends la photo? C'est naze. Ça fonctionne pas. Prends son café. J'ai pas fait de café aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment de la communication de merde et de bas étage. Et c'est ce qui nous attend dans un fiasco total que va être cette élection, qui va être volée, j'imagine, une fois de plus. Et ça va être pire après. Tout ça pour vous dire que j'avais lancé le projet d'avoir des NFT pour les élections, pour les jeunes qui ont jusqu'au 30 mars. Ils ont encore 15 jours pour s'inscrire. On est en train de les préparer. Donc, tous ceux qui sont inscrits, vous gardez votre auto-attestation, comme quoi vous êtes inscrit sur la liste électorale. Et pour tous les jeunes qui nous regardent ou les jeunes de votre entourage, c'est important de voter, c'est important de lire les programmes quand il y en a. Alors Macron va le révéler demain ou jeudi, je crois. Valérie Pécresse a commencé à faire 2-3 trucs. Il y en a certains qui ont un peu d'avance sur le programme. Vous voyez de qui je parle. Donc il faut les faire lire. Et j'ai de bonnes nouvelles puisque j'ai reçu deux. Notre amie Elsa, les maquettes du NFT. Donc je vous le montre, hein, c'est confidentiel. Voilà, regardez comme il est beau. Vous l'avez reconnu. C'est Timmy. Donc il va y avoir des fonds différents, il va y avoir des couleurs différentes, il va y avoir toute une série. Il est sublime. Elle l'a fait aussi une photo où il est debout. Alors c'est bien de le voir sans la main d'Alexis. Voilà, donc on bosse sur les NFT. C'est gratuit, hein, vous allez pouvoir avoir un vrai NFT. Puis quand vous serez dans le métavers, vous pourrez l'afficher dans votre petite maison du métavers. Pour ceux qui sont dans le métavers, c'est complètement con. Hein. C'est pour la performance, hein. C'est comme un élastique à chim. C'est complètement con, ça nous fait marrer. Ça fera partie des goodies du monde moderne. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, t'es dans la revue de presse avec des restes de la semaine dernière, des restes d'hier et 3-4 trucs d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Demain, vous retrouvez Alexis qui sera en forme. Alors Alexis, on est en train de travailler sur son studio. On va avoir un studio du monde moderne. La salle de contrôle. Les antennes satellites sont arrivées. Il va être particulièrement autonome. Il aura une bande passante de vrais streamers professionnels. Et on va vraiment, vraiment monter en gamme. Notamment grâce à tous vos abonnements, grâce aux gens qui nous suivent sur Patreon, à ceux qui nous envoient des chèques. Voilà, je remercie Eric, que j'ai eu, Eric de Corse, que j'ai eu samedi au téléphone. Je t'envoie la facture, je ne t'ai pas oublié. C'est touchant de vous lire, de vous avoir au téléphone, de vous entendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée ce mardi 15 mars 2022. Restez cool, accrochez-vous, ciao.